Bonjour tout le monde, bienvenue sur Palmis là. C'est la première fois que vous montez, pas bon site avec nous, pas oublier de faire ça, cliquer abonner et pour appliquer la cloche là pour capable être connecté avec nous. Mes amis, pays lock, pirate, mouvement piqué devant des deux côtés, que ce soit au niveau de la présidence, en la personne de Jovenel Moïse, que ce soit au niveau des différents acteurs, eh bien, son mouvement piqué devant, qui est-ce qui a quitté pour moi? Moi, pas quitté pour vous, c'est vous qui quitté pour moi, c'est dans ça, pays d'Haïti plongé. Opposition mobilisée plus que jamais, vous annoncez. 27 octobre au 2 novembre, une semaine de combat acharné contre le pouvoir. Après une nouvelle série de 7 jours de protestation programmée, une septième semaine, pays lock annoncé pour pays d'Haïti. Alors que Jovenel Moïse accroché le pouvoir, côté que l'a ignoré justement, mouvement levé campé cap fait yo, pendant côté que lui proposé comme le matador superbe, cap déjoué et tout mouvement qui vit sur Brésil. Et revendication, plusieurs centaines de milliers de manifestants qui ont dénoncé ouvertement lien et président dans la corruption, représailles qui ont fait sous population par la police et présumé participation directe et que et pouvoir gagner un détournement de fonds Petro-Caribé. Pour capable montrer davantage sentiment de rejet que vous gagnez à l'égard de Jovenel Moïse après show médiatique que Jovenel Moïse a fait. Et dans RFI, justement, pour le capable montrer que l'étranger a le contrôle, ça n'est pour consommation de l'international. Opposition haïtienne a publié un nouveau calendrier, mobilisation générale, qui a démarré 7e semaine pays Glock, là, le 27 octobre 2 novembre. Pays a transformé en un champ de bataille, c'est ça, il dit, c'est sa signataire alternative consensuelle là, annoncé. Yuri Latonti, Sorel Jacinthe, André Michel, ils ont annoncé les couleurs à travers une mobilisation nationale pour que Jovenel Moïse a démissionné. Date que vous communiquez, les dirigeants ont communiqué pour vous un nouveau calendrier, combat engagé sous d'autres formes. Après, bon pour vous. Ils ont dit combat pour être engagé sous d'autres formes. C'est ça, André Michel, vous voyez, sous tweet. Delma 64, bureau politique sénateur, vous avez attendu, avocat militant. Yo consolide discours à côté que yo mande population pour préparer pour livrer combat. C'est yo dit qu'on y a ce combat yo pas arriver, c'est pas même forme. Bon, ça veut dire qui ça? C'est pas manifestation pas le gain non? Parce que nèg yo dit yo même et ben manifestation fini. Tendez bien? Yo dit que cause manifestation fini et son jouet ti moun qui t'a fait. C'est jouet ti moun qui t'a fait qu'on y est là. C'est bataille qui va le faire. OK? Donc, je dis, c'est bataille qui va le faire qu'on est là, pas gain causer manifestation encore. Et Sorel Jacinthe, bon côté parle, il demande population pour engager davantage dans la bataille là. D'après lui-même, victoire pas trop loin. Même j'en avec grand plusieurs gros villes en Haïti, localité yo, également, y a pensé adapter au mouvement pays lok la. 7 jours de mobilisation qui supposé accoucher d'après ou même pour soleil qui a levé sous pays. Fait comprendre, faut que yo accélérer lutte là, faut que yo mette zeste dans engagement pour yo capable déboucher sur victoire finale. Faut que toute force sociale yo converger pour 7e journée de mobilisation, ça. D'après Sorel Jacinthe. Donc, mes amis, nous partons pour 7e journée de mobilisation. Pendant ce temps, l'autre centre médical dans le pays a après le mandé SOS. En fait, c'est l'autre qui vient ajouter, bien entendu. Nous voulons parler de centre médical Beraka, qui est situé dans la pointe des Palmis, entre Saint-Louis du Nord et Port de Paix. Yo dit, dernier goût de gaz que vous avez, vous avez toujours, bon, c'est ici. Dernier goût de gaz que vous avez, a fini semaine ça. Vous allez faire mes portes. Si personne ne va venir porter au secours, centre médical là qui est considéré comme centre médical qui pime mieux équipé dans le département nord-ouest là.
li sous dernier réserve li. Et qu'elle va comprendre que le pape capable continuer à servir la population dans le temps de crise ça. Li sonne yon alarme. Responsable dit de toutes les façons, yo pas gen le choix. Yo pas l'obligé fermer centre médical là dans prochaine semaine yo parce que yo pas gen gaz encore pour yo continuer bay service la population qui trouve aux abois. Monsieur Vedner Baronville, administrateur centre médical ça, il évoquait gravité situation. Et il dit tout bon vrai ces dernières gouttes là. Une situation déplorable qui aggrave conditions de vie population haïtienne à chaque seconde. Zone qui plus reculé dans pays d'Haïti. Yo entré effectivement en plein de crise. Ça qui fait mal dans l'histoire ça malgré crio. Ou senti que mon bon vagabond, on dit clé, mon bon vagabond, qui va comprendre que yo pas capable de continuer encore. Pas de cause épreuve de force là, pas de cause orgueil là, pressé, pressé, si gagne, si rete encore, yon ti crasse l'amour pour payer ça. Fok, de kan yo, si span tire kod la, si sa nou di, pa question de 5 ans, pa question de démission immédiat, mais fok gon compromis. Fok nou jwenn scénario gagnant, gagnant. Nou pa bezwen scénario perdant, gagnant. Parce que perdant, gagnant, ultimately, nou tout a perdi. Et sa nou di. À la fin, c'est nous tous qui avons perdu. C'est nous tous qui avons perdu à la fin. Donc, journée, je ne vais pas parler de journée de manifestation, non? Mais je vais parler de l'autre type de journée. C'est une journée de bataille. C'est une journée d'attaque. Parce que je dis que vous-même, vous allez faire face là, qui est déchoucaille complète là. C'est ça que vous dites, vous allez faire. Gouvernement pas. Gouvernement de l'autre bon côté parle a prend décision l'a marché l'a nommé délégué départemental ou lui-même il gagne contrôle pays ya. Tout va bien voilà on te pote update ça pour vous rebrancher connecté avec nous dernière nouvelle yo n'a pote pour vous portez-nous tout bien.